Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est midi, c'est iRacing, on est encore pour changer à Spa en Formule Renault de litre avec une très jolie décoration qui n'est pas sans rappeler les couleurs de Stoffel, évidemment vu qu'on est à Spa. Je suis toujours avec Andy Emmerich, bonjour messieurs. Oh là, il est déjà midi? Oui, il est temps de se lever pour aller manger. Je mets 10 litres, il y a assez pour faire les calculs. Ouais, bah oui. Oui, on en fait 25 pour 10 tours. Allez, on va essayer. On va donc tenter de se remettre dans le bain. Merci à ceux qui m'ont donné une petite astuce que j'avais oubliée. Je le savais, mais je l'avais oubliée tout simplement. On peut donc régler les rétroviseurs sur les voitures. Et donc, avec l'adaptation de mon FOV, j'ai maintenant des rétroviseurs où je peux en plus voir les voitures, même si faut pas trop s'y fier. Alors pourquoi je perds l'arrière à ce point-là? 3. C'est pas impossible. Ah, c'est même pas moi, hein. J'ai vu ça dans les commentaires. Il y a un mec qui expliquait que le premier tour, apparemment, c'est assez froid. Moi, je pensais qu'il y avait des couvertures chauffantes quand même, tu vois. Mais apparemment, non. Freinage sur le vibreur. Pas bon. Sortie au speaker corner. Un tour de foutu. Merde. Je suis arrivé au bus stop en contre-braquant. Tout allait bien. One more lap. Et on oublie notre premier tour. La vitesse qui passe pas, 2 dixièmes dans la vue. Merci d'être venu. Vraiment un bon deuxième tour, là on est vraiment bien. Le 9ème chrono. Bonne course à tous. Continue tes vidéos, tu gères. Ah, c'est un plaisir. Pour toi. Merci, Michael. Oh là là. Tiens. J'ai Clive Norton à ma droite. Ounce, 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 ounce. Ah, attention, bonne course, monsieur. Green, green, green. J'ai lâché l'embrayage, je l'ai rattrapé, j'ai pas eu un drapeau droit. Ouais.
Je l'ai tout juste rattrapé. Attention, ça bouge pas mal dans le raidillon. Car on your left. Keep to the right. Keep to the right. Clear. Left side. Eh ben, c'est très simple. Clear. Le départ magnifique. Ouais. Ça tapait derrière. Car right. Chirurgical, ça tapait très fort. Still there. Clear. Ok, j'ai dépassé à Blanchimont, j'ai besoin d'un slip propre. Left side. You got a slow car on the left. Clear on the left. Car right. Keep to the left. Clear on the right. Passage très très chaud à la chicane. Ah, pareil. Y'a pas de slowdown devant ? Ah bah le fameux Michael, tiens. You're in fear. Right side. Still there. Hold your line. Keep to the left. Clear. Ça se passe bien pour tout le monde pour le moment. Ouais, ouais, ça c'est réglo. Car right. Stay on the left. Clear. Car right. Still there. Clear on the right. Ah, ça s'est encore foutu dedans derrière. Car on your left.
Keep to the right. C'est chaud derrière toi. Stay on the right. Clear on the left. C'est chaud, c'est propre, c'est magnifique. Très plaisant cette bagarre. Ah, grâce à ça, je peux revenir. Ils se sont touchés les deux derrière. Ouais, il y a une Brown qui est allée au large. Je crois que c'est une Brown, en tout cas une voiture vert fluo. Elle a pas été réglo, il a tapé le mec à classe. Ça va Andy toi? P3 et... Oh GG. Je suis bien, mais devant ça roule extrêmement vite et c'est compliqué. Mais enfin c'est compliqué de tenir le rythme. Mais on reste dans les 3-4 secondes, c'est bien. Il y a le gars entre nous deux là qui était un peu en train de perdre, qui a l'air de reprendre le rythme, là Charles. Oh, t'as allumé toi non? Un peu. Car on your left, clear on the left. Tiens un petit peu d'avant au niveau des freins. Et Michael, il roule bien hein, c'est dommage que vous soyez touché parce qu'il est très très propre. Ah non, je suis derrière toi moi. Ah oui, tu parles là. Le garçon avec qui Andy a une friction lors d'un live. Je crois qu'il est en train de se racheter une image avec moi. Ah bah tant mieux après hein. À deux ça passera pas le rayon. À deux ça passera pas le rayon. J'ai joué intelligent, j'ai ralenti. Ça peut passer le rayon à deux. Non mais si je connais pas je le fais pas. Stay on the right. Keep to the right. Still there. Hold your line. Clear on the left. Ok, j'ai perdu au tapas de couilles. Et moi, j'ai perdu la voiture. Slow car ahead. Car stopped ahead. Go right. Tu as arrêté en plein milieu de la piste à Bruxelles. Attention, Emmerich. Ouais, c'est bon, il reste sur le côté. C'est quatrième. Eh bien, que d'émotion. En fait, je soupçonne Michael de ralentir pour se bagarrer avec moi. Est-ce que c'est possible, vous pensez? C'est possible. C'est pas cool. Ah, si, c'est de la bagarre, c'est fun, mais... Ouais, c'est pour ça que les accidents, ils arrivent. On a l'air de bien s'entendre. Hold your line. Clear. Tug Life, tire off dans Blanchimont. Right side. Clear. J'ai freiné à l'ombre trop tard, c'est pas une blague. Donc il est repassé devant. Ah, j'ai un slowdown. J'ai un peu coupé comme un cochon. Hey man, I have break, ok? C'est fini pour moi. Le con il m'a déconcentré à me parler là. Voilà, voiture finie. Au du rayon. Ce genre de débile là.
J'ai failli la perdre en poumon. Désolé pour le cri. J'aurais dû dire désolé pour poumon surtout. Là le train arrière m'a dit what. J'ai plus la poêle de sec. Dit qu'il tourne très fort, hein. Troisième, bravo. Ouais, je suis sur un bon rythme pour l'instant. Je continue les tours en 1-18-1, 1-18-2. Je tourne plus fort que sur la course d'hier que j'ai gagné, mais je compte deux ours là qui sont très 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 forts. Le tourner en 1-17-5 à peu près. Et avoir ce rythme là en course, c'est quand même fou, c'est quand même très fort de leur part d'être. Aussi rapide parce que c'est pas simple. Les pneus arrière ont tendance à très vite chauffer. Ah moi j'étais dans le. L'autre il m'a déconcentré à me parler là. J'étais dans le raidillon, on était côte à côte, le mur. Off-track évitable, mais j'ai préféré jouer la sécurité. Premier off-track. Sortie du pif-paf, le fameux vibreur. J'ai pas osé donner le coup de volant pour me mettre en tête à queue. J'ai dit tant pis, je préfère prendre un petit off-track. Par contre, John, là, il revient fort, 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 hein, dans Blanchimont. Ah, il roulait bien, je me bagarrais bien avec lui. C'était dommage que... Le pilote de la Haas. Car on your left. Clear on the left. Oui. Ça m'énerve. J'attends 3 minutes pour pouvoir réparer ma voiture et puis on m'entend dire que c'est impossible de la réparer. L'ascenseur émotionnel. On est quasiment au cap de la mi-course. C'est passé tellement de trucs. Left side. Still there. Hold your line. Clear.
Ah, ça y essaye dur là, on entend. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas très bavard sur celle-là. Bon, d'un côté, Emeric est sorti, donc il y en a déjà un des trois qui parle moins. Andy, il joue très gros. Magnifique, Andy. Bien mauvaise relance que lui. Hein. Ouais, non, mais t'as ton... Quand je vois ce que t'arrives à faire avec le 4 d'aileron à l'arrière... Ah, putain, je sais pas. Bah, tout le monde roule comme ça, tout le monde roule avec une voiture très déchargée, ça se voit. Hein, et pourtant, je suis pas celui... Vas-y. Ah, vas-y. Je suis pas celui qui roule avec la voiture la moins déchargée, hein, ça se voit devant. Hein. Parce que moi, à 4 comme toi, je glisse de partout à l'arrière. Elle glisse de partout, mais c'est comme ça qu'il faut la piloter, en fait. Et c'est pour ça que je préfère avec 5 en ligne droite, je prends cher, mais au moins... Allez, nous on revient sur John McTonville pour essayer de chercher un top 5. Ce qui me coûte, c'est que je vais pas me perdre de trop vu que je suis parti 12ème. Le rating il va pas être méchant. Oh, je suis trop large. Allez, Andy, t'as le numéro 17, hein, faut le faire. Et ouais, mais j'ai une vitesse de pointe qui est un petit peu basse. Et j'arrive très vite à. J'arrive très vite à vitesse de pointe max. C'est chiant. Voilà, t'as vu max. Je sais qu'il y a des gros problèmes ici, alors c'est maintenant qu'il faut attaquer. Roule, commande pas, roule. Je vais tenter de faire un truc, ce serait bien de mettre la cam dans le D. Bon, je ferai une double vue, t'inquiète pas. Ça demandera un peu de boulot de montage, mais je vais essayer de vous proposer ça en haut à gauche. En plus de ma vue TV, la vue d'Andy. Ah, c'est ouf, hein, ce qu'il fait en downforce comme ça. Ouais. C'est en low force, pardon. Non, downforce. Downforce. C'est downforce, hein. Ouais, l'appui parce que tu... You've got 5 left to go. Ah, merde. T'as fait un petit changement de ligne pas top, hein. Je suis derrière, hein. Ouais, mais... Il s'est mis à droite pour défendre et au moment du freinage il s'est décalé sur la gauche. Ah mais je croyais que tu parlais de moi. Non lui. C'est même si qu'elles suivent comme ça, je commence à cramer les pneus. Ouais, il commence à avoir des soucis de connexion. Non pas ça. Pas ça. Pas ça, pas maintenant Zinedine. Ah non parce que si pour les spectateurs qui me suivent. S'il y a des problèmes de connexion, c'est très difficile de suivre quelqu'un. S'il se met à sauter dans tous les sens, vous savez pas vraiment trop où il est. Ça c'est horrible ça. Alors sachant que quand il est transparent, on peut passer à travers, mais comme par hasard, au moment où tu arrives dedans, il n'est plus transparent. Généralement. Moi je laisse filer dixième après dixième. Ouais, mais... Sur John. Il va rester un peu moins de 5 tours. On a tout petit peu de temps ici.
Ouh, il a cramé là. Ouais, moi aussi. Hein. J'allume. Derrière, ça va. Je sais pas c'est lequel qui m'a parlé. Français? Non, non, en anglais. Et qui parle, je... c'est ma faute aussi, je lui ai répondu, j'aurais pas dû. Et rap. Parce qu'il a insinué que j'avais triché au bus stop, mais en fait j'ai tiré tout droit au lieu de taper dans le mec. J'ai pris la... J'ai pris un slowdown et pourtant j'avais ralenti. Et le mec il râlait encore. Je perds du temps, c'est incroyable. T'inquiète. J'ai eu très peur. Il y a beaucoup de grippe, hein. Ouais, mes chaussures alcool dans les pits. Si vous voulez que t'as renversé ça. Nous avons Rob McGuinness qui nous remonte petit à petit, même très très fort. Il est à 1 seconde 5, je pense qu'à la fin du tour, il nous sera bien revenu dessus. Ah. You got two laps to go. Alors que j'ai mon spotter qui me parle juste dans l'instant. Ça te dit qu'il te reste deux tours. Ouais, mais bon. Ça fait un moment que je suis dans le showroom là. Il
Je suis en post-interview, t'as dit suck my balls. Il prend des risques derrière toi, Max. Hein. Car on your left. Stay on the right. Clear. Eh bien. Sorti trop large, on va dire. Oh. De gauche, pardon. Sera puni. Ça fait un 3 sur 7, ça fait un peu chier. Ah, tant que t'es pas sur comme 6 sur certains. Je sais rien faire, je suis juste trop lent en fait, je sais pas pourquoi. Peut-être trop chaud, je sais pas. C'est pas dégueu, t'es 7ème, c'est pas. C'est frustrant de voir quelqu'un te remonter. Ouais, ça, ouais. Bon, y a pas de miracle, je tourne en 2.20. Je suis en 2.17.6 tout à l'heure, putain. Bah, le premier tourne en 2.17.2. Il y a beaucoup d'endroits où j'ai pas encore la confiance et la connaissance. You just got the white flag. That means one more lap to go. 16-9. You got about 2 laps of fuel. Ah, dommage qu'il reste pas un tour, Andy. Bien joué. Il s'est fait gêner par les deux devant, là. Et ils veulent pas le laisser passer, hein. Catastrophique, la dernière chicane. Allez, le freinage de la source. Et on en aura terminé avec cette course qui aura été assez mouvementée au début et ensuite assez lente. On était assez lent, on pouvait rien faire. Les garçons plus rapides nous revenaient dessus. Et finalement, eh bien, on termine 7ème de cette course. There's the flag, it's over. Je m'en satisfais pas, je m'étais donné comme objectif le top 5. Et je pense que... Avec un peu plus de training,
il y a moyen, il y a vraiment moyen avec de l'entraînement d'y arriver, mais pour le moment, on en est là. Bah écoutez messieurs, on va refermer cet épisode de l'aventure iRacing, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci Emeric, dommage pour toi, voilà. Merci Andy, bravo à toi. Ouais. Merci. Et à la prochaine, et d'ici là, eh bien, bon amusement en piste les amis, quelle que soit votre simu favorite, salut. Ciao ciao.